Ben voilà, le soleil est en train de se coucher sur mon dernier jour de course. C'est aussi mon dernier jour en tant que skipper de ce bateau. Donc oui, on vient de voir les dernières images avant l'arrivée en Guadeloupe là. Qu'est-ce que tu penses de la préparation à cette transat qui a duré quand même pratiquement 3 ans? Eh ben, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je peux pas laisser les gens regarder le film de ma transat sans leur expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ces 3 ans avant. Parce que c'était vraiment là le gros du projet et la transat, au final, c'était la concrétisation de ces 3 ans. Donc moi, j'ai eu un projet un peu atypique parce que j'ai acheté un bateau neuf mais qui avait déjà 10 ans. C'était une coque nue, il y avait pas mal de choses à faire encore. Il y avait tout le gréement, l'accastillage, les boutes, l'électronique, le matos sécu. C'était vraiment un gros gros chantier. J'y ai passé plus de 3 mois, je crois, à bosser en parallèle. Mais avant de naviguer, c'était pas immédiat du tout. Donc déjà, ça commençait de façon un peu différente de la plupart des projets en série. Mais ça m'a permis d'avoir un bateau qui était vraiment à ma main et que je connaissais déjà par cœur avant de naviguer. Du coup, quand j'ai commencé les entraînements, bah, c'était vraiment sympa de découvrir un bateau que je connaissais déjà depuis quasiment 4 mois sur l'eau. Et donc ça fait quelque chose d'assez spécial et une relation qui se crée avec le bateau qui est assez particulière. Donc j'ai eu la chance de m'entraîner au pôle de Orlabay, à la Trinité-sur-Mer. Donc avec Vincent Cadoré, le coach, tous les copains ministres que je me suis fait sur cette préparation, je les ai rencontrés majoritairement à la Trinité. Donc c'était vraiment, vraiment des chouettes moments. Ça a été dur, ça a été intense. Je me suis fait des sessions, des premiers offshore en solo un peu engagé. Des fois le soir après le boulot, je sortais naviguer, je mettais à l'eau juste avant la tombée de la nuit, je partais, il faisait nuit, je revenais, il faisait nuit, en plein hiver. Sans tellement trop dormir parce que je ne savais pas encore dormir sur ces bateaux-là en solitaire. Donc ouais, je me suis fait des belles frayeurs, je me suis fait des grands moments, des trucs assez sympas. Et du coup, un entraînement assez dense avant de pouvoir commencer à vraiment naviguer en course en 2022. Et ouais, du coup, tu as commencé à naviguer fin 2021. Et comment commence ta saison 2022 où là, c'est vraiment, tu rentres dans le boulet des 2 années de préparation avant la transat. Exactement, bah c'est un gros goulet, hein, c'est exactement ça. C'est que ça commence avec la pression de se qualifier, parce que c'est vraiment pas quelque chose d'acquis de se qualifier à la mini transat et de faire partie des inscrits. Donc moi j'ai fait le choix de commencer par ma qualif hors course. Donc c'est un parcours entre la Bretagne, l'Irlande, l'île de Ré et retour en solitaire et hors course. Alors ça y est! Me voilà parti en qualif. Moi, c'était un petit peu particulier l'état d'esprit dans lequel je suis parti, puisque ben, je venais de changer de travail. C'était un moment un peu intense professionnellement. Personnellement, c'était un peu intense aussi, puisque je venais de me faire larguer. Et là-dessus, je pars pour 8 jours de mer tout seul, sachant que j'avais jamais passé plus d'une nuit en mer en solitaire. Et c'était le 14 avril, donc il faisait pas bien chaud. Je me suis fait dégommer tout du long. Mentalement, physiquement, j'avais hyper froid. J'étais pas si bien préparé que ça. Il y avait eu du vent fort. Franchement, je me suis fait dégommer. Je me suis retrouvé à monter au mât en plein milieu de la Manche à l'aller. Je me suis pris un front sur le retour. Des hallucinations en traversant le golfe de Gascogne, où j'étais persuadé qu'on naviguait à 5 sur le bateau alors que j'étais tout seul. C'était un peu débile, hein. Du coup, quand je suis rentré, je pense que ma vision des choses avait bien changé, que j'étais plus vraiment le même et que la qualif a fait son travail de qualification dans le sens où je me sentais beaucoup plus prêt et je connaissais beaucoup mieux mon bateau que les 10 jours, enfin que 10 jours avant. Du coup, ça m'a permis de partir sur ma première course de la saison, qui était 2 semaines après l'arrivée de ma qualif. Bon, passablement lessivé, mais très en confiance sur le bateau. Donc c'était à Pornichet Select, où j'ai fait une course où tout du long, j'étais très très frustré, j'avais l'impression d'être dernier, j'avais l'impression de faire de la croisière. Et en fait, à l'arrivée, grosse surprise, je finis premier pointu, et je crois que j'étais dans le premier tiers de la course, donc avec pas mal de bourrons derrière. Donc très très bonne surprise. Mais c'est vrai que j'avais quand même un petit arrière-goût
de frustration et d'avoir l'impression d'avoir raté ma course, quoi. Donc, une petite frustration de ce côté-là, mais j'avais pas vraiment le temps d'y réfléchir parce que ça enchaînait tout de suite sur la mini en mai, donc au départ de la Trinité, qui est ma première course un peu longue. C'est quand même 5 jours de mer, avec un prologue enfin, qui se fait dans la baie de 7, 8, Quiberon, 9, que 10, je 11, connais 12, bien 13, maintenant, 14, 15. qui était Ouais, puis dans vraiment les sympa dans du vent faible, 20. où je me Sur retrouve 100, c'est pas mal. bah, en tête de flotte. Regardez tout ce qu'il y a J'étais à un derrière, c'est moment, j'étais dans les trois magnifique. premiers, je sors de la baie de Quiberon après C'est 5 heures de vraiment régate. incroyable ce qui se passe. J'étais dans le top 10 Je en suis série, officiellement top quasiment 5 de la top 15, je course. pense, avec les protos. Alors qu'on était une centaine de bateaux, c'était juste du gros gros délire, sachant que mon bateau est pas au niveau des autres. Donc, très très bon début de course. Et la suite a vraiment bien contrasté avec le début de course. Je me suis fait dégommer dans des vagues de 3-4 mètres, avec un peu, enfin pas mal de vent aussi. Complètement malade pendant toute la course. Et donc j'ai passé toute la partie dans le golfe de Gascogne à vomir tout le temps. Derrière l'île de Ré, j'ai pu me remettre un peu de mon mal de mer et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me prendre des algues dans la quille. Donc j'ai dû plonger 2 fois pour enlever les algues dans la quille. Plonger en solitaire, c'est pas anodin. Je me suis fait un peu peur. J'ai été obligé de plonger quoi. J'ai pas réussi à les enlever autrement et il y en avait, mais je sais pas, mais peut-être 35 kilos, 40 kilos. Et tout ça, ça a quand même bien bien tiré sur l'organisme. Et du coup, sur les 500 000 de course, à 20 000 de l'arrivée, je me suis échoué. Parce que j'ai dormi, j'ai beaucoup trop dormi. Mon réveil sonnait, je l'entendais pas. Je voulais dormir 20 minutes, j'ai dormi 5 heures. Et du coup, je me suis échoué une fois. Ça m'a même pas réveillé tellement j'étais cramé, quoi. Le bateau s'est déséchoué tout seul. Il est allé se rééchouer une dizaine de kilomètres plus loin. Et je me suis toujours pas réveillé. En fait, je me suis réveillé avec le soleil. Et quand je me suis réveillé, j'étais posé sur un caillou. Donc, ça a fait un moment un peu très, très, très dur. J'ai quand même réussi, malgré tout, à me dégager et à finir la course, sans finir dernier d'ailleurs. J'étais content. Enfin, après coup, je suis content. Sur le coup, j'en avais rien à foutre. Mais voilà. Et donc, le bateau n'était pas complètement détruit, heureusement, parce que 2 semaines plus tard, ça enchaînait sur le trophée MAP. Donc, il fallait convoyer le bateau à Douarnenez. Punaise, Et le super, trophée MAP, super c'était une départ. course assez courte, un peu sprint, Super, mais on s'est super tapé des départ. orages, on a eu la J'en ai complète. été le premier à passer la ligne. Et Donc, oui, les dernières heures, j'ai pris assez peu de ça trucs s'est enchaîné durs. avec pas mal de Franchement, trucs c'était un peu qui ont nul fait comme que condition. Elle c'était quand finit même pas une régate vraiment, si simple. vraiment haché, vraiment pas agréable. Impossible de faire avancer le bateau. Et là, on est en train de passer la chaussée de Saint. Donc, il y a des courants énormes, à contre-courant, forcément, au près. Donc, face au vent, en flotte, donc il y a des croisements dans tous les sens, et pour couronner le tout, il y a de l'orage. Là, ça, c'était vraiment le point d'orgue de la saison 2022. C'était la grande course. C'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sympa parce que c'est 1300 milles, donc beaucoup de kilomètres. Un aller-retour aux Açores. Donc, des contrôles sécu, départ des Sables d'Olonne, contrôle sécu comme pour la Transat. Donc, si tout est validé à ce moment-là, ça veut dire que tout va bien pour la Transat qu'à l'année suivante. C'est un vrai bon test, un vrai bon galop d'essai. Et c'est quand même 2 fois 11 jours de mer. Donc, 11 jours à l'aller, où j'ai pris des mauvaises décisions par rapport à la météo. Donc, une très mauvaise stratégie qui a pu être rattrapée juste avant l'arrivée, grâce à une énorme pétole juste avant l'arrivée, où j'ai fait une remontada juste incroyable. Je me suis vraiment éclaté sur cette course. Une escale aux Açores qui était absolument folle, avec tous les copains, plus de la famille, etc., qui étaient venus aux Açores, où on a vécu quand même 4 jours assez hors du temps, quoi. Avant de repartir pour la deuxième étape, donc 4 jours c'est quand même court après 11 jours de mer, hein, pour se reposer. Et du coup, la deuxième étape où on a fait un. Donc c'était les Açores jusqu'au Sable d'Olonne. On a fait un énorme détour pour contourner des vents contraires, donc on est parti hyper hyper nord avant de faire de l'ouest, donc on a fait les deux côtés du triangle rectangle, quoi. On n'est pas passé par l'hypoténuse. Donc, très très belle course, mais très très dur mentalement parce que je me sentais vraiment très très Ça fait seul, 20 et ça c'était et vraiment un quelque chose jour que que je je passe ne tout seul savais en pas gérer mer. à ce moment-là. Et ce matin, il m'est arrivé un truc assez dingo. Regardez qui j'ai trouvé en sortant! C'est minuit!
Salut Bidule! Ça roule? Et du coup, ça se clôture quand même par un prix goût de perf, ce qui fait bien plaisir parce que gagner le goût de perf sur la grande course de l'année, c'était vraiment inespéré. Et du coup, donc ça, c'était une belle récompense qui m'a permis d'attaquer ensuite un chantier d'hiver et deux, trois autres petits projets qui m'ont occupé cet hiver-là. Donc entre les entraînements, le chantier d'hiver, j'ai quand même calé une petite transat de retour sur un gros trimaran. Hein. En 7 jours, la transat de retour sur Actual après la route du Rhum, où j'étais équipier, mais sacrée expérience. Hein. J'ai passé 6 jours à vomir, mais génial quoi. C'était ta première transat du coup. Et c'était ma première transat. Du coup après tu enchaînes sur la saison 2023, année de la transat, et qui commence par une course à Lorient, la PLM, et qui celle-ci se court en double mixte. Exactement. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que t'en ressors? C'était très très cool la PLM. Déjà, moi je m'étais un peu entraîné en double pour découvrir le bateau au tout début de mon projet, mais après j'avais vraiment favorisé le solitaire, donc j'avais beaucoup navigué tout seul. Et là, de s'entraîner en double et de régater en double, surtout avec donc Margot, mon équipière, on s'est bien marré, on a appris plein de choses tous les deux. Et franchement, c'était une très belle expérience. Alors la course était un peu particulière. Il y a eu un gros coup de vent qui est passé, donc elle a été divisée en deux. Donc la course qui devait durer 2 jours a au final été divisée en une petite course sur une journée et une course sur 24 heures. Mais n'empêche que c'était vraiment enrichissant comme expérience et très très sympa. Alors, toi Willy, t'as jamais navigué trop en double? Et alors, quelles sont tes impressions? Ah ben, on parle plus. Hein. Du coup, j'ai pu enchaîner derrière sur la mini en mai. Du coup, la mini en mai, j'avais une petite revanche à prendre sur l'année précédente. Donc, c'est une course que j'avais décidé de refaire. Le départ, il était un peu sportif parce qu'on s'est fait cueillir par du vent fort. Encore de la mer, sauf que cette fois-ci, la flotte n'est pas passée en entier. Dès le premier soir, il y a eu 50% de la flotte qui a abandonné. On était 100, il y a eu 50 abandons. Et moi, j'étais trempé dans le bateau. Enfin, l'intérieur du bateau était trempé, l'extérieur évidemment pareil. J'ai mis un petit peu entre parenthèses la course pour juste faire de la navigation et traverser le coup de vent en sécurité. Et en fait, ça a super bien payé parce que je suis ressorti dans le bon paquet. Et derrière, je me suis bagarré pendant toute la course avec mon pote Brieux qui est en pointu aussi. Donc on se bagarrait, on savait qu'on jouait la première place en pointu. Et on a fait une très très belle bagarre. J'ai kiffé, j'ai profité d'être en mer, mais tout du long de la course. J'ai pas été malade du tout. J'ai eu le temps de vraiment apprécier la mer parce que j'avais plus de MP3, j'avais plus de tablette. Enfin, pour lire des bouquins, j'avais plus de liseuse. J'avais plus de musique, j'avais plus rien. Donc je profitais juste d'être en mer et je me suis régalé. Et derrière, je fais un super classement parce que je finis 23e sur 100 et premier pointu. Donc une très très chouette expérience. Après la mini en mai, j'ai enchaîné sur la Calvados Cup. Donc là, c'était un peu une course un petit peu hors compétition. Le but, c'était vraiment d'aller se faire plaisir à naviguer en manche où j'avais pas encore navigué avec mon bateau. Donc c'était départ de Douarnenez et arrivé à Deauville, avec assez peu de concurrents finalement, on n'était pas très nombreux, mais des super conditions. J'étais en double avec mon pote Pierre, qui a un bateau aussi à la Trinité, donc on était deux skippers pour un bateau, plutôt confortable. Et on s'est vraiment éclaté sur cette course à faire des petits coups tactiques qui n'ont pas toujours été judicieux. Désolé Pierre. on a matossé, mais et pourquoi on matosse? Sans prix. Parce qu'on va empanner. Et pourquoi on va empanner? Parce qu'on va chercher autre chose que les gens ne vont pas chercher. Pour être avant eux au bon endroit. Ouais, on tente. On verra si c'est sûr, ça passe. Ouais, ça c'est pas comme le coup du siècle, c'est sûr. Je suis fatigué, on fait des bonnes décisions au même moment. Et puis voilà, donc on fait premier pointu aussi sur cette course-là, donc une belle réussite. Et ensuite, retour de Deauville jusqu'à la Bretagne Sud, mon port d'attache, en passant par Trébeurden, là où j'ai grandi et là où je me suis entraîné pendant pas mal d'années en laser, en optimiste
et même avant de faire de l'optimiste en kata. Et donc ça, c'était la dernière, ma dernière grande course, ma dernière course avant la Mini Transat. Et bah, la Mini Transat, c'est le moment où je vais me taire et je vais vous laisser regarder. Alors ça y est, on est à moins de 10 jours du départ. Si on profitait, et ensuite résister à la pression qui est en train de monter tranquillement. Bon, ça y est, on y est. C'est J-1. Putain, c'est J-1. Oh la vache. Il y a des rafales à 50 nœuds qui sont annoncées. 50 nœuds, putain. Ça va être marrant. On va... Putain, je sais que je peux le faire. Je sais que mon bateau, il est prêt. Ça va bien se passer. Putain. C'est parti pour la Mini Transat. Départ pas incroyable. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'être là. Premier dauphin de cette Mini Transat. Salut les copains. C'est la première nuit sous les étoiles à bord de Tarse. Et regardez qui je viens de retrouver. C'est mon pote Gaëtan. Coucou Gaëtan. Regardez qui je viens de croiser. C'est Nora, ma voisine de ponton pendant les deux longues semaines au Sable d'Olonne. On est passé à une longueur l'un de l'autre, sans toucher à nos réglages de pilote. Voilà, on s'est croisé, par de ce côté, moi tout bien. J'ai eu l'occasion de discuter deux minutes et puis voilà. Trop drôle quoi. Bon, alors il n'y a pas de vent, grosse pétole. Ça m'éteigne. Et un truc de fou, il y a des baleines juste là-bas. Juste à côté du bateau là-bas. La vache, ça déboule! On fait des pointes à 12 nœuds sous le Genac en plein milieu de la nuit. Ah, la nuit a été un peu agitée. Hein. En début de nuit, il n'y avait pas de vent du tout. Ensuite, j'ai envoyé un Genac avec le vent qui montait. Ensuite, j'ai appelé le Genac, j'ai envoyé un spi. Après, j'ai appelé le grand spi, j'ai envoyé un petit spi. À côté de monter, j'ai appelé le petit spi, j'ai envoyé le Genac. Et là, j'ai deux riz dans la grand voile. Coucou Tars! C'est la guerre! Bon, alors je suis en train de me préparer à la guerre. Là il y a 25 nœuds, t'as vu. Et ça va peut-être monter encore. Je vais vous donner le tourmentin. On va faire partie. Je vais renvoyer tous les riz, renvoyer le tourmentin. Et on voit la côte espagnole. C'est parti pour le rituel de la météo. On va voir à quelle sauce on se fait manger. Là, cette petite musique en intro, ça fait bien plaisir. La troisième fois de la journée que je prends deux riz et en plus, je suis encore. Je suis tenté pour Imogen. J'adore, oui, le bas de la poêle, ça te prend envie. Désolé, ça te va pas loin. À vous raconter parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais en gros pour résumer là, pendant 24 heures je me suis fait machine à laver puissance fort avec 25 nœuds établis, 30 nœuds à un moment établi, enfin 35 de sport et une mer de 4 mètres donc 4 mètres qui déferle donc une belle machine à laver. Ça s'est quand même pas si mal passé, à part le fait que j'ai rincé tout le terrain du bateau est trempé. Et là, je suis en train de passer le cap Finistère et mon aérien m'a lâché. Donc je suis en train de bricoler un aérien de spare.
Voilà, voilà, la réjouissance. Alors voilà le bricolage de la nuit. Un aérien qui est monté sur un tube PVC dans les balcons. Et ça me permet de retrouver un vent apparent. Donc ça c'est cool. Bon bah voilà. C'est ça qu'on veut quand on parle de mini transat. Yahoo! Avec les copains juste devant. Et ben ça fait bien rêver tout ça. Regardez-moi ça, le petit concurrent à côté. Bon, je dois vous avouer que ça va pas si mal. Alors voilà, un petit soleil comme ça, ben, 3 ans de travail, 3 ans pour trouver mon bateau, 3 ans pour le préparer, 3 ans pour me qualifier, 3 ans pour apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre, et aujourd'hui je suis là, je suis en train de me jouer, c'est vraiment génial. Pendant que le soleil finit de se coucher là-bas, de l'autre côté, la lune se lève. Belle pleine lune. L'ambiance a bien changé sur Terre depuis quelques jours. Là je suis en train de lire un bouquin, la radio, le soleil, le ski, ça glisse, c'est cool. Bon c'est un peu croisière, hein. Mais pour rappel il y a quelques jours ça ressemblait à ça. Là il y a 20 sommets établis. Et c'était pas marrant. Bon l'opération montée au mât, changement d'aérien vient d'être terminé et avec succès. Alors j'ai un nouvel aérien là-haut là, tout nickel, pour remplacer ben, celui-ci qui marchait plus pour une raison que j'ignore encore. Ce midi le chef vous propose un petit hachis parmentier de canard fraîchement réchauffé, fabriqué à la Trinité-sur-Mer. Regardez-moi ça. Ça va être un régal. Je laisse encore réchauffer un petit peu. Et je vais faire la présentation de tous mes jouets. Maintenant que j'en ai rien qui est revenu. Ici j'ai la IS et le GPS où je vois les concurrents, enfin quelques concurrents. Là j'ai toutes les infos vent. Donc, ici j'ai les infos pilotes. Là pareil des infos vent. Ma petite liseuse pour lire des bouquins. La radio pour la musique. Comme vous entendez, ben, y a tout le monde qui cause à la VHF, alors je peux leur répondre avec ça. Autant vous dire que j'ai plus beaucoup de raisons de rentrer dans le bateau. Et là, je voulais vous montrer un petit moment intense de la vie des marins en solitaire, la vaisselle. Alors c'est très simple, je prends la fourchette. Tout, tout. Et voilà, terminé. C'était pas long. Encore un coucher de soleil. Très très beau, il n'y a pas du tout du tout de vent et ça fait plusieurs heures que c'est comme ça, c'est un peu lourd. Et 7 jours de course, il me reste encore 700 000 à faire, donc à cette vitesse là, il y en a au moins pour 4 jours encore, donc on va voir. Thank you.
Là, c'est un navire allemand, un navire citerne, 200 mètres de long. Pas mal, hein? La nuit dernière, j'ai croisé un cargo qui faisait 400 mètres de long, à peu près cette distance-là. Voilà, c'est quand même impressionnant. Et ce soir, soirée karaoké 2029. J'attends que ça s'y mette un peu, mais du coup, j'ai fait une menace du bateau. Là, j'étais en train de sécher. C'est propre aussi. C'est un petit peu. Pas trop à plaindre, mais bon. Ça bien que ça avance aussi quand même un moment. On est là pour ça. Alors, je viens de récupérer la météo. On est en train de continuer là. Mais c'est très très cool. Regardez, nous on est là. La petite flèche là. C'est l'arche du Portugal. On va ici, à La Palma. Et les petites flèches que vous voyez là, ça veut dire qu'on va avoir du portant avec du vent fort. Et ça, c'est cool! Et voilà le petit coucher de soleil du jour. Le vent a tourné. J'ai envoyé le spi. Et normalement, c'est plus que de la glissade jusqu'à maintenant. Prochain arrêt, les Canaries. Là les conditions elles sont assez incroyables, donc là vous voyez ma zone de manœuvre, le cockpit. On tourne un peu la tête. On a le grand spi qui est en l'air, bien gonflé, 15 nœuds. Le bateau glisse à 7 nœuds, droit vers les Canaries. Et là c'est un bonheur quoi, le bateau il glisse. Là vous voyez pas mais il y a un ciel étoilé juste fantastique, il n'y a pas un nuage. C'est magnifique. Je suis mais tellement heureux d'être ici, vous pouvez pas imaginer. Bon, et puis pour info, les panneaux solaires ne chargent pas du tout. Peut-être lié au fait qu'il n'y a pas de soleil. C'est le 10e jour de course et on sent la fin qui commence à arriver. On n'est plus qu'à 340 000 de l'arrivée. Bon alors là, ce qui vient de se passer qui est très très cool, c'est que je capte des concurrents que je ne captais plus depuis très très longtemps à la VHF, c'est-à-dire que je suis en train de les rattraper. Et ça, c'est très très bon. C'est le bouffé. Allez, la gnaque. La gnaque. Regardez ça, un poulpe avec un canard. Alors je sais pas comment il est arrivé là celui-là, parce que franchement c'est un endroit du bateau qui mouille pas beaucoup quoi. Marrant, donc je vais le renvoyer à la mer. On est le soir du 11e jour. Il nous reste 180 000 à faire. Donc ça se fait en moins de 24 heures. Le truc c'est que le vent il tourne comme je n'attendais pas la rotation et honnêtement je sais pas où je dois aller. Bon alors les petits potes, vous regardez là-bas. Il y a le soleil qui est en train de se lever. Vous regardez là-bas. Vous voyez la première terre que je vois depuis le Portugal. Et si vous regardez là-bas loin devant, faut bien bien regarder parce que même moi j'ai du mal à la voir. Et là, on voit l'île de La Palma. Et là, l'île est en train d'accélérer le vent complètement, donc là il y a 25 nœuds. C'est la folie! Minute, il y avait 12 nœuds. Donc il a fallu changer de ski et mettre un rideau à grand voile. Et maintenant ça vient. Wouhou. On est à quelques milles de l'arrivée là, de la première étape de la mini transat. Il n'y a pas de vent. Et de la houle. Allez, je viens, mais. Bon,
Ça y est, on s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Je suis rentré dans la pétole, il était 18h, là il est 22h. Et en fait, ça a regroupé une bonne partie de la flotte. Donc c'est sympa, il y a du match. Voilà, donc pour cette étape qui se finit, bah, je suis plutôt content de tout ce qui s'est passé. C'est assez cool, le bateau il arrive en super état. Par contre, niveau classement, je suis pas très satisfait. Donc on essaiera de faire mieux sur la deuxième, la vraie, la grande, la traversée. Et d'ici là, on va essayer de profiter un peu de l'escale et des Canaries. Et puis à dans 3 semaines pour la suite. Ciao. Prochaine escale, la Guada. C'est parti. Ça va pas de main. Ok, ça y est, c'est parti pour la mini transat, la vraie, la salle ultime. Regardez ça, c'est absolument magnifique. Putain, je suis content d'être là. Je suis trop content d'être là, c'est incroyable. Allez, je me concentre, tout se joue maintenant. Quelques heures qu'on est parti. La flotte a commencé à bien se disperser, j'en suis à mon 6e peeling, je crois, un truc comme ça. Ça n'arrête pas de changer le vent, donc ça passe de Spi, Spinac, Spi Medium, Spinax. Ouais, c'est intéressant, c'est intense. Ça va être un peu mou toute la nuit et demain. Et juste là, on voit ici La Gomera et ici Tenerife avec le fameux pic du TID. Et derrière, La Palma. On va bientôt se lever. Il existe. Les matins. Ça descend en bas. Des oiseaux. Avec au premier plan un des bateaux accompagnateurs. Select 1. Sur les îles de la Gomera. Alors, je suis très très content aujourd'hui pour deux raisons. La première, la musique transat, ça c'est incroyable. La deuxième, j'ai la musique dans les oreilles qui est incroyable. Et la troisième, la plus importante. Je n'ai pas un peu dans les deux, mais c'est pas grave. Je suis en train de prendre une option à droite de fou et ça a l'air de passer. Et franchement, si ça passe, je mets un caramel à toute la flotte, quoi. Je suis le premier à aller chercher l'option d'or. D'après les routages de Christian Dumas, c'est l'option d'or qui passe, donc moi j'ai confiance en lui. Ça pourrait être un truc de barjo. Je me réjouis trop vite comme d'habitude. Mais on va voir ça, c'est génial. Incroyable quand on se dit qu'il est comme ça. On est juste sorti de la mer. C'est juste un volcan. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de passer la pointe de El Hierro. Très bien. Mon option a été maxi payante. 1, 2, 3 bateaux en tout. Il y a 3 bateaux devant moi. Je suis 4e, toute la flotte confondue, photo et série, à passer la pointe. C'est très très stylé. Voilà, c'est juste grandiose, c'est magnifique. Je fais la météo et c'est ça, on sort. Les dés sont jetés, maintenant il faut assumer les choix. Voilà. Là, la suite du programme, c'est un point passé. Et les habitués à trouver. Ben, une petite pensée pour ceux qui sont en Bretagne, au coin du feu, en train de se couler les biches, parce que c'est une personne qui est là. Moi, c'est 25 degrés, et je suis en train de battre un coucher de soleil. Wouhouhou! Bon. Là, c'est pas la joie. J'ai un mal de mer, là. J'ai un malade. Un peu de violence là tout à l'heure pour envoyer le spi, donc au moins là ça avance, on est sur la route, c'est cool. Bon ben je suis venu chercher des alizés, 20-25 nœuds d'alizés. Je vous fais pas un dessin, c'est raté. Chier, putain, ça fait chier en vrai, ça fait vraiment chier parce que là potentiellement tous les autres sont sous spi. Voilà, donc moi je suis arrêté. Et pour ceux qui se souviennent, le soleil il se couche à l'ouest. Hein. Du coup, ben, moi je vais vers la Guada, donc ça tombe bien. Bord rapprochant.
La fin d'une nuit dans les Alizés. Très tranquille. Le bateau jamais en dessous de 5, 6 nœuds. Le pointe à 7, 8, 9. La grande glissade. Je le tire. Alors, ici on a un petit lever de soleil, assez cool. Là, ce qu'on voit là, c'est un grain. On voit la pluie en dessous. Donc, probablement qu'il y aura plus de vent devant, moins derrière. Et sur les côtés, ça va un peu tourner. Et là, derrière, on voit que je sors d'une zone avec des petits grains. Et il y avait un peu plus de vent, j'ai l'impression. Donc là, j'ai grand spin, Helios, domaine, grand nœud établi. Là, si tu ne pars pas, le pilote, bon, il va partir au sac. Ça commence à faire quelques temps qu'il n'est pas descendu ce spin. Allez, encore un petit coucher de soleil. Là, ça commence à partir en braque un peu dans tous les sens. Parce que je réduis un peu la toile. Le soleil est en train de se lever. Ça va arriver d'ici une demi-heure. Oh, il y a de la mer, hein. Ça a déboulé toute la nuit, là. Ah, ça déboule encore, d'ailleurs. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. Un petit pot de poisson volant. 15h précise. La météo commence. Je vais prendre mes petites notes. Petit grillé tracé. C'est parti. Matin du sixième jour, ça se passe en mer, dans les Alizés. C'est un peu monotone, une sorte de routine qui se crée. Du coup, je me suis dit que plutôt que vous montrer tous les jours le même lever de soleil et le même coucher de soleil, bah, je vais peut-être vous raconter un peu de quoi est fait mon quotidien. Alors du coup, première chose que je fais le matin, c'est que je me prends un petit déj avec un bon cacolac. Ensuite, je vais regarder le lever de soleil. Je règle les panneaux solaires pour charger les batteries qui se sont déchargées pendant la nuit. Après ça, je barre, je lis un peu, je fais ma journée tranquillement. Vers midi, en général, il fait trop chaud pour que je mange, du coup, bah, je grignote. Et ensuite, dans l'après-midi, dès que le soleil passe derrière la GV et que je peux être à l'ombre, bah, je retourne sur le pont, barrer, régler les voiles. Le résultat, c'est beaucoup de lecture. Et ensuite, le soir, c'est un bon repas. Le bide et ensuite j'attaque les petites siestes. Bon, comme vous le voyez, encore une journée de merde, hein. Temps dégueulasse, le vent est nul, c'est pas beau, on se fait chier, tout ça quoi. Non, c'est un régal. Beau petit coucher de soleil encore. Et vous voyez là-bas là, on voit des grains là. En fait, c'est, là je viens d'en sortir, mais ça fait une bonne heure et demie là que
ça. J'ai sorti la salopette et la veste de car, j'ai passé bien mon temps. Voilà, on parlait de grain. Regardez celui qui est derrière, comme il est beau. Là, ça pleut bien en dessous. Hein. Là, j'ai réussi à l'éviter, donc c'est cool. J'ai réussi à choper un peu de vent, mais pas de la pluie. Donc, c'est parfait. Et là, juste par là, là, on voit deux que je suis encore en train d'essayer de d'esquiver. Bon, alors c'est un peu dur là parce que d'un côté il y a un arc-en-ciel absolument magnifique. Et d'un côté, je viens d'apprendre qu'un de mes concurrents qui est juste à côté là, il vient de péter un safran. C'est l'énorme coup dur quoi. Super embêté pour lui, ça me fait trop chier quoi. Bon, bah là, je viens de prendre un joli gain. Hein. La vache, juste en train, à un moment où je croisais un concurrent. Énorme grain, bateau couché, forcément je vais haut, c'est max. Donc il restait au moins un quart d'heure couché. J'ai déjà failli le spier avec le bateau couché, j'ai eu trop peur de perdre le spier et de le déchirer. Du coup là j'ai pris un ride à AGV, j'ai renvoyé un spi médium. Tranquille. Je levais les cordes, il n'y avait pas de midi et tout, c'était chaud chaud chaud. Bon, dans la série, la panique fait faire des bêtises. Comme un con, j'ai renvoyé les spi médiums en inversant le point de coup et le point d'allure. Tout le Zeptin, il marche bizarre et tout. Et là, ça marche vachement mieux. Bon, ça y est, le coton est revenu. Après tous ces grains, là, j'ai passé la journée à manœuvrer. Et franchement, très très longtemps. Je pense que j'ai dû envoyer trois fois les spi max, il a fallu trois fois, envoyer trois fois le médium, il a fallu trois fois. Là, le spi médium, je suis dans la GV. C'est pas super fort, mais putain, c'est irrégulier quoi. Bon, bah aujourd'hui, c'est le jour un peu de la loose quand même. Hein. Voilà, ça tire dans tous les sens. Là, tout à l'heure, je suis parti au tard parce qu'en fait, il y a mon allure des spies qui a explosé. Et en fait, c'est la gaine là qui s'est flochée dans le taquet. Du coup, ça a glissé, donc mon spi s'est retrouvé en mode kitesurf. Un peu chaud. Ça a mis le bateau en vrac complet, dans le vrac j'ai perdu mon enceinte Bluetooth. Ça fait un peu chier. Mais je vais juste vous montrer ça, regardez. Température de l'air, quasiment 29 degrés. Température de l'eau, 26 degrés. Il fait de chaleur à crever. Du coup, en général, sur ces heures-là, moi je reste dans le bateau, je peux pas sortir, il fait trop chaud, le soleil il tape trop fort. Donc voilà, ça bouquine. Alors, je suis en train de me préparer à prendre la météo. J'ai réalisé un truc un peu cool. Il reste 1340 000. Ça veut dire qu'on est pile poil à la moitié. Là j'ai spi médium arisé, Solent et GV avec du riz. En fait il n'y a pas énormément de vent, il y a genre 23 nœuds. Mais il y a une mer assez formée, ça part dans des surfs assez délirants. Et du coup c'est le mieux que j'ai trouvé pour avoir une vitesse à peu près stable. Là c'est bien, hein, ça tartine. Et là ce que vous verrez pas à la caméra mais que moi je vois, c'est que le ciel est hyper étoilé. En fait les seuls endroits où on voit pas les étoiles c'est qu'il y a des grains. Donc ça permet de garder un peu le suivi quoi. Il ne reste plus que 1000 milles à faire. 1000 milles, c'est une calip. Et à part ça, je viens de prendre un grain énorme là, donc je me suis fait tremper complet au réveil.
Là j'ai les freins qui sèchent et puis moi je sèche, j'attends que le soleil se lève. Ah j'ai hâte qu'il vienne me réchauffer celui-là. Allez le soleil, dépêche-toi. Mais que 25 degrés, ça caille. Bon, petit résumé de la situation. Il est 13h30, j'attaque un petit chili con carne en slip. Parce qu'il fait 30 degrés dehors et que l'eau elle est à 27. Et là le bateau il glisse sous pied et il fait des pointes à 8-10 mètres tranquille, droit vers la Guada. Levé de soleil sur le 12e jour de course. Et il est magnifique celui-ci, on voit vraiment une belle boule de feu bien nette. Incroyable. Depuis hier, là j'ai retrouvé un peu de speed, un peu de vent. Ça glisse presque sur la route. On est au VMG. Je viens de récupérer mes premières sargasses. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. Des petites algues. Avec des petits flotteurs là. Qui s'accroche très très bien dans les safrans apparemment. C'est le 13e matin sur Tarse. Allez, on fait un beau lever de soleil. Et ça déboule. Youhou. Pourquoi je me mets à pleurer, c'est ridicule. Il reste 300 000, donc normalement c'est ma dernière journée complètement là. Mais pourquoi tu pleures, c'est ridicule, putain. Il reste à 300 000, c'est ma dernière journée complète en mer. Et normalement demain je vais arriver dans la journée quoi. Si tout ça vient. J'ai eu des petites bricoles. J'ai eu des petites bricoles, j'ai... Le point fixe à l'avant là pour le speak c'est cassé donc je vais bricoler un peu cette nuit là, refaire le lashing, alors, bien méchant mais ça m'a fait perdre un peu de temps je pense. Et voilà, tout va bien, le bateau glisse. Enfin, c'est magnifique. Et ça déboule. Yahoo. Ben voilà. Il est en train de se coucher sur mon dernier jour de course. C'est aussi mon dernier jour en tant que skipper de ce bateau. Après 3 ans. C'est un truc de dingue hein, ce qui est en train de se passer. Je suis tellement fier d'avoir fait tout ça. C'est... Je suis fier et je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé.
m'ont épaulé dans ce projet. Il y a une partie des noms ici, mais il y en a tellement d'autres. Alors merci à tous. Merci, merci, merci. Et puis moi, bah, je vais vous laisser pour profiter des dernières heures en mer. Et puis voilà quoi.